connaissez certainement le concept des voitures hybrides, ces modèles de voitures fonctionnant à l'aide de deux moteurs. L'un est électrique. Il assure la mise en mouvement de la voiture jusqu'à ce qu'elle atteigne 50 km/h. L'autre est un moteur thermique, très souvent un moteur à essence. Il prend le relais lorsque la voiture atteint une vitesse plus élevée. Il est intéressant de pointer deux éléments à propos de ces moteurs. Lorsque le conducteur accélère très fort, les deux moteurs fonctionnent simultanément, ce qui permet une accélération supérieure. Et lorsque la voiture décélère, l'énergie cinétique du freinage est récupérée pour alimenter la batterie du moteur électrique. On voit donc que ces moteurs peuvent très bien fonctionner indépendamment l'un de l'autre, ou au contraire, se combiner pour bénéficier du meilleur des deux mondes. Il en va de même dans les dispositifs pédagogiques dits hybrides. Avant toute chose, qu'entend-on au juste par apprentissage hybride? Suite aux travaux de Marcel Lebrun, nous aimons dire au Louvain Learning Lab qu'un dispositif pédagogique est hybride lorsqu'il vient modifier deux dimensions principales. Le rapport entre distanciel et présentiel, le rapport entre enseigner et apprendre. Un dispositif pédagogique hybride permet donc d'alterner entre séquences en ligne et en amphithéâtre ou en classe pour venir bonifier l'expérience d'apprentissage. En tant qu'enseignant, vous avez la possibilité de combiner cette approche pour qu'elle soit la plus pertinente et cohérente pour vos étudiants, en fonction notamment des acquis d'apprentissage définis en amont. Il est bon de noter que hybrider son enseignement peut être une bonne opportunité de dépasser le mode traditionnel d'enseignement pour aller vers des modes davantage incitatifs et interactifs, c'est-à-dire des modes d'apprentissage orientés vers la résolution de problèmes, la mise en projet, l'analyse de cas, la production et les interactions. La valeur ajoutée de la partie distancielle pourrait donc être la mise à disposition de ressources multimédia, vidéos, infographies, podcasts audio, articles. Ces ressources peuvent soit venir compléter ce qui s'est dit en classe, soit servir de support pour préparer la prochaine session. Vous l'aurez compris, la valeur ajoutée de la partie présentielle sera donc, elle, essentiellement de l'ordre du partage et de la mise en pratique. Débats, discussions, échanges, mise en situation, études de cas, afin de favoriser les interactions et la collaboration entre apprenants. Par exemple, imaginons un cours dispensé sur une période de 12 semaines, avec à chaque semaine un module traitant d'un chapitre en particulier. Imaginez à présent que vous souhaitiez fournir à vos étudiants des ressources complémentaires. Vous pourriez alors proposer, en plus de certains modules présentiels, des modules en ligne composés de vidéos et infographies servant de support à la compréhension de la matière. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous pourriez très bien imaginer aussi de structurer vos sessions en proposant une semaine sur deux un module présentiel et une semaine sur deux un module en ligne. Celui-ci serait alors plus étoffé, plus complet, avec notamment des travaux de préparation à réaliser en amont des sessions présentielles suivantes. Ou encore, vous pourriez imaginer de mettre la majorité de vos modules en ligne et réserver quelques sessions présentielles destinées alors uniquement à des activités collaboratives avec vos étudiants. Comme vous le voyez, l'apprentissage hybride constitue une occasion de rendre votre enseignement plus motivant, plus engageant, et plus moderne, tout en permettant aussi aux étudiants de développer des compétences transversales qui seront de plus en plus valorisées sur le marché de l'emploi au cours des prochaines années. Pour plus de ressources à ce sujet, téléchargez votre copie du carnet de l'enseignant en vous rendant à l'adresse uclouvain.be/LLL. Cette vidéo est une ressource éducative libre proposée en licence Creative Commons. Vous êtes libre de la partager à condition d'attribuer et citer votre source, de ne pas l'utiliser à des fins commerciales et de la partager dans les mêmes conditions.